je fermais les portes pour le son. Depuis le mois de mai, là, on n'a pas du tout de pluie. Et vu les fortes chaleurs, bon, soit nous avons actuellement des raisins qui sont brûlés, calcinés même, tout noirs, ou alors on a des ceps de vigne qui sont en train de crever ou qui sont déjà secs et qu'il faudra replanter à partir du mois de novembre prochain. Ça commence. Oui, en souriant un peu, on pourrait dire que ça fait une bonne moyenne, étant donné qu'au mois d'avril, nous avons eu moins 10 degrés pendant 2 ou 3 nuits. Moi, j'ai déjà perdu 20% de ma récolte. Alors là, cette année en plus, la sécheresse depuis le mois de mai, que j'estime également à 20%. Donc, bon, on essaiera de prendre ça avec le sourire. En général, quand les vendanges sont précoces, le vin est de meilleure qualité. Bon, les journées pour nous sont plus longues, le temps est plus beau, parce qu'on n'a pas les pluies du mois d'octobre, parce que ça nous arrive quand même de temps en temps de vendanger début octobre, et là, la saison des pluies commence. Et qualitativement, au mois de début septembre, ce sera très bien. Je fais quelques plans d'ensemble, et puis après, refroidissement à air, c'est...